Hey, salut tout le monde, c'est Silariel et je vous souhaite la bienvenue sur ce tout premier épisode de Demon's Souls. J'avais dit il y a très très longtemps que je ferais en sorte d'enfin faire ce jeu, donc voilà, on va le faire. J'ai emprunté une PS3, puisque je n'ai pas de PS3, tout comme j'avais emprunté une PS4 pour Bloodborne. Bloodborne que actuellement j'ai terminé, même si les épisodes n'ont pas fini de sortir. Enfin bref, j'ai pas besoin vraiment de vous présenter le jeu, hein, c'est le tout premier de tous les Souls. Et il paraît qu'il est très dur. Bon là la création on s'en fout un petit peu. Je vais vous skip ça et on se retrouve une fois que j'ai terminé. King Aland the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarfax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valarfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Sage Urbane. Skurver the Wanderer. The Sixth Saint Astraea and her knight Garl Vinland. And Sage Frake the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Brave soul who fears not death. I shall guide you. So that you may lull the Old One back to slumber. Ok, après toutes ces vidéos, on va commencer à jouer. Je m'attendais à ce que le jeu soit un peu plus moche que ça, mais au final ça va. Attaque standard, ouais, forcément les touches à mon avis vont être les mêmes. Pareil, ouais, levage de bouclier. Est-ce qu'il y a des backstabs? Il y a des backstabs. Ouais, c'est exactement pareil. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a un bouton pour sauter. C'est vrai que je m'entraîne à la parade aussi, c'est moment ou jamais contre les amis du début.
Qu'est-ce que tu me dis d'autre, toi? Ça, je sais faire. Ok, la parade, je suis toujours aussi nul. C'est marrant, j'ai l'impression de le trouver quand même un peu plus fluide que les Dark Souls. C'est peut-être qu'une impression. Peut-être un peu plus rapide, moins lent. Je ne saurais l'affirmer. Ok, j'y suis pas du tout. Non plus. Allez, c'est pas grave. J'ai pris la classe chevalier au début, donc guerrier. Parce que c'est une classe que j'aime bien, tout simplement. Hein. Pas chercher midi à 14h. Utiliser objet. Ça, je m'en doute. Cet objet. Ah, on peut descendre par là. Je suppose qu'on doit descendre par là. Voilà. Par contre, je suis super lourd. Pas en arrière. D'accord. Je suis pas mal lourd. Faudra qu'on change ça plus tard. Parce que pour les combats de boss, être ralenti comme ça, c'est pas le must. Allez, toi. Toujours pas, hein. Alors, je suis pas fait pour les contres. Y a pas à dire. Ah! Ça ressemble pas mal à un feu, ça. Elle est dans une nouvelle zone. Oula! Non, c'est pas un feu en fait. Une archipierre. Pour entrer dans une nouvelle zone. Qu'est-ce donc que cela? On va quand même un petit peu explorer s'il y a des trucs à explorer autour. Genre, tout à l'heure j'étais là-bas, de l'autre côté. En fait je crois qu'il y a rien à explorer. On est obligé de se rendre dans cette archipierre. Alors on y va! Oui! Alors, attaque puissante, ça je sais, merci. Je me demande s'il y a des mimiques d'ailleurs. Je suis impatient de trouver un coffre pour le voir. Attaque puissante. Ah, il n'y a peut-être pas d'attaque en saut. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir d'attaque sautée. C'est dommage, c'est quelque chose que j'utilise énormément depuis que je sais le faire. Parade, ouais, je sais, sauf que je sais pas le faire, je suis mauvais. Non. Ah! J'avais presque réussi, je crois. Ah, c'est bon, plus d'endurance. On pouvait monter. Non, on pouvait pas monter. Quoique. Non, c'était qu'une impression. Alors, on continue. Ah. Tout doux, monsieur. Ah, merde! Peu gêné par le décor quand même, par le plafond. Aïe. Est-ce que c'est ça, votre poisson de lune nous soigne? On va voir ça tout de suite. Oui, c'est donc ce qui soigne. Attends, c'est un peu logique. Prendre l'arme à deux mains. Forcément, ça je connais. Cesse de te protéger et attaque! Non mais attaque. Ah, qu'est-ce qui se passe? Putain! Bon, j'espère que ça reprend là où j'en étais. J'ai pas compris. Ah putain, ça reprend là. J'ai pas du tout compris pourquoi ça m'a fait ça. Vaut peut-être mieux jouer en hors ligne au final. Ça reprend là, mais ceux que j'ai tués sont toujours considérés comme étant morts. Encore eux, vous me direz. Donc on reprend au début de la zone, apparemment. Ok, bah c'est bon à savoir. Toi, bah du coup, de toute façon, pour le peu que je t'avais fait mal. Aïe. Ah, tiens! Ça t'apprendra. Non mais le mec il est là, il est chiant avec son bouclier. Je suis bien content. J'ai enfin réussi à placer un contre. Changer d'objet, ouais, ça je sais faire, bah si. Et hop, de la demi-lune. Se soigner en fumant de l'herbe, ça me rappelle Resident Evil.
putain! Chant! Ils sont pas... C'est bien, ils sont... D'accord. Ils sont pas radins sur les herbes, là, en début de jeu. Après, ça soigne pas énormément non plus. On va pas cracher dessus. On vient de là-bas? Non, on va là-bas. On continue de monter. Ah, un petit brouillard. Qu'est-ce que ça veut dire, les brouillards? Hop, hop. Pas un petit objet à ramasser. Il semblerait que non. Ah, toi. Merci. On rentre là-dedans. Ah, je croyais que c'était une sorte de miroir. Bah, rien à voir. J'avais lu un petit peu quand même les commentaires des gens sur JVC quand ils ont acheté le jeu et tout. Il y a énormément de gens qui râlaient comme quoi on crevait dès le tutoriel, que c'était hyper dur et hyper chiant. Alors bon, ça m'a énormément motivé à enfin l'acquérir. Mais je crois que c'est surtout des gens qui sont pas habitués à ce style de jeu, parce que pour l'instant ça se passe bien. Mais bon, je sais pas ce qui nous attend plus loin, donc peut-être que je parle trop vite. Ok, ça ressemble à un premier boss. Salut! Aouh! Ouais. Je vais peut-être me mettre en mode plus léger parce que la roulade, c'était pas top. Première mort, ça y est, ça va vite! Ah, on était obligé de mourir. C'est bien du Souls, ça, hein? Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Je regarderai après pour activer les sous-titres. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the five archstones will connect it. Autant pour moi, en fait, tout à l'heure, c'était juste pas traduit. Votre âme est emprisonnée dans le Nexus. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est fâcheux. En capturant des âmes de démons, vous pourrez réintégrer votre corps. Il y a un Nexus. Et donc, ici, c'est une sorte de petite base. Et il y a des PNJ. Well, you slipped through the fissure too, did you? You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. Et là, c'est sûrement les fantômes d'autres joueurs. You're new here. My name's Baldwin. It's simple. Just in trade, I'll give you weapons. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons. Ouais, c'est équitable. Donc le forgeron, il est là. I can tell you're not gonna. I'm stockpiled, Tom. When the scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here. My wife and daughter fell victim to the deep, but I would be worthless in battle. At the very least. I hope to lend. I would be happy to lighten your load and look after any excess. Ah, déposer des objets, prendre objet, d'accord. Best of luck to you. Ok, ça marche. Il y a un petit mot ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des messages pas très loin. Ok. Ça a l'air d'être un petit peu bordel comme zone. Enfin, c'est parce que je débarque et que je la connais pas. C'est surtout ça. Il y a même des gens qui meurent ici. Comment ils font pour mourir ?
Alors il est monté, il est monté, il est monté, il est monté. Et il s'est jeté. C'est pour ça qu'il est mort, tu m'étonnes. Un petit mot. Brigand. D'accord, si tu veux. J'explore. Ah, il y a peut-être des trucs à ramasser et tout ça, en fait, ici dans le coin, d'accord. C'est peut-être pour ça, peut-être que le mec essayait d'accéder à un endroit. On fera notre exploration plus tard, là, on est au mode en phase découverte du jeu. L'exploration viendra en temps voulu. Il y a un petit texte derrière. Il y a une jolie vue pas très loin. Ok. Bon, bah, on va repartir par là-bas. Explorons autant qu'on peut durant cet épisode. Ah putain, il y a des messages, tu dis ? Il y en a plein. Tout le tutoriel, il est ici. D'accord. Et c'est tout. D'accord, c'est juste un endroit pour nous guider. Ça fait vraiment différent de Dark Souls 1 et 2. D'avoir une sorte de petite base comme ça. Est-ce qu'il y a un truc ici ? Un jour. Un jour peut-être. Bon, et bien du coup, au final, la partie exploration que je voulais mettre à plus tard est une obligation. On va monter tout en haut. Il y a beaucoup de gens qui se suicident dans le coin quand même. Hein. Là, il y avait un texte, il a disparu. Faites un pas en avant. Ouais, non. Je croyais que c'était une porte, ça, mais en fait, non. Ok. Comment je fais pour sortir de là? Peut-être que toutes ces traces de sang, c'est parce qu'on est obligé de se suicider pour partir. Bon, il y a encore tout ça à explorer, là, sur le côté. Il faut bien y avoir un petit quelque chose. Un tout petit, même pas. Pas ici, en tout cas. Peut-être là-bas. Vous cherchez un coup de main? Juste une indication. Non, c'est pas là. Et j'ai dû zapper un truc, à mon avis, au rez-de-chaussée. C'est plus que probable. Ah! J'ai zappé quelqu'un, déjà. Salut, toi. Oh my. How is this happen? Has God abandoned us for failing to show proper. Oh, Mbasa. Oh. D'accord. Tu n'as rien d'autre à dire, je pars. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Du texte. Persévérez. Je persévère. Prenez garde à l'attaque furtive de l'ennemi. Ok, je prends garde. Il y a des textes vraiment partout. Cherche un coup de main. Juste une indication, s'il vous plaît. Toi, je sais pas ce que t'attends. C'est assez étrange. Peut-être qu'il faut que je lui reparle à lui. You came for demon souls? It's all the same. We're welcome here. As long. Ok. Ah, faut peut-être que j'interagisse avec ça. Ah, toucher archipierre du petit roi, d'accord. Je suppose que l'archipierre là, je peux pas la toucher. Ah si, je peux. Archipierre du chef. D'accord, et ça aussi c'est une archipierre. Et je suppose que plus on monte, et plus c'est dur. D'accord, bah j'aurais mis du temps à comprendre. Ouais, bah allez, on va voir.
Ok. Ah, il avait un gros appétit. Alors, nous y voilà. Lire message. Bienvenue, merci. Toucher l'archipierre. Retourner au Nexus, d'accord. Ça me change que ce ne soit plus des lanternes de feu de camp. Ou juste des feux de camp. Backstab! Est-ce que d'ailleurs... Ah non, on va attendre. Hop là. Backstab. Je crois pas que ma vie puisse être montée davantage. Non, je suis au max. Donc je suis limité à ça. Et donc faut que je fasse les trucs qu'ils m'ont dit de faire pour récupérer mon corps. Et donc je suppose avoir toute ma life. Bon, j'ai sûrement choisi le bon niveau parce que vu comment ils sont pas forts les ennemis, je dois être au bon endroit. Je suis toujours aussi lent. Pour l'instant je vais garder ça comme ça. Fort. Épée brisée. Attention mon grand. Ah, pour l'instant c'est pas si dur que ça. C'est parce que c'était tout nouveau que les gens étaient en panique. Maintenant on est habitué à la difficulté. Next. Les backstabs, je les aime bien, ils sont sympas. J'espère qu'ils sont différents en fonction des armes aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Il faut mettre la pression pour y arriver. La pression, je la bois. Je suppose que c'est un raccourci pour plus tard. Ou alors que c'est juste fermé. Je sais pas s'ils font des raccourcis. S'ils ont fait des raccourcis. Dans Demon's Souls. Attention, un piège droit devant. À part le corbeau qui s'envolait. Rien vu. Mais bon, restons méfiants. Oh! Ok, toi tu meurs. C'était peut-être ça le piège. Hop. Touché. Regarde la demi-lune. Je sais pas trop ce que c'est ça, mais ouais, c'est sûrement ça le fameux piège. Il y a un ennemi qui a dû passer dedans et mourir à ma place. Attention. D'accord, je fais attention. Fourbe. Oh putain. Sans prévenir quoi. C'est sûr qu'on a beaucoup moins de vie qu'au début. Il me semblait aussi en début de jeu qu'on avait beaucoup de vie. Ça me faisait un peu bizarre. Et là, c'est revenu à la normale, si je peux dire. Est-ce qu'on peut le lire, ça? Truc blanc collant. Ah ah! Tout à fait. Tiens, dans celui-là, on peut pas casser les objets en faisant des roulades. On va s'en dire. Ça peut être bien. Il a l'air de rien y avoir ici. Hop là. Alors, il y a beaucoup de brouillard par rapport au Dark Souls, j'ai l'impression. Enflure. J'ai réussi et foiré en même temps le contre. Je sais pas si on peut dire que je l'ai réussi du coup. Comme en début de vidéo.
On peut monter, mais il y a peut-être des trucs au fond. J'ai cru voir des objets. Oui, voilà. Comme du soldat inconnu. Je peux pas suivre. Non, ça va. Et brise armure. Une plus grosse épée, peut-être. Main droite, épée brisée, brise armure. 85. Ouais, ils font toutes moins mal. Ah, j'ai une lance. Une lance, ça peut être intéressant. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, c'est mon siège, il grince à chaque fois que je me penche parce que j'ai reçu un message, du coup je l'ai lu. Alors si vous voulez savoir, ce soir, à 21h, je me fais un barbecue. C'est super, hein. Alors, toi. Pour qui tu t'es cru, hein? 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 Elle va se soigner un coup. Full life. Oula. Aïe aïe aïe, hey, les gars. Se calme. Voilà, merci. Ça fait plaisir que ce soit des petites boules de feu de merde et pas des grosses explosions. C'est tellement plus simple de pas se les manger. Bombe incendiaire, je suppose qu'ils disent. Faut utiliser une bombe incendiaire quelque part, peut-être sur ça. Pour tout faire péter, je sais pas du tout. Ah! On va se re-soigner peut-être, hein. De l'herbe. Et toi. Mais quelle lâche. Stoppez donc cette couardise, mon cher. Et viens de vous battre. Tiens, vil chacal. On récupère ça. De 2001, je sais pas du tout ce que c'est. Faudrait peut-être que je me regarde aussi la définition des objets. Ça pourrait toujours servir. Oh putain. Oh non, je me suis fait avoir par le plus vieux piège de Dark Souls. Bon, c'est pas grave. Peut-être aller récupérer l'objet aussi, là, qui est sur le cadavre. Tant qu'à faire. Hop, merci. Épée bâtarde. Putain, mais le coup du boulet, franchement. Au début, je croyais que le mec, il avait un énorme bouclier. Eh bah non. Épée bâtarde. J'ai carrément moins mal, c'est quoi, c'est Là, je suis à 85 et là, je suis à 18. Moi, je m'attendais à ce que l'épée bâtarde, ce soit un truc de gros bâtard, quoi. Ah putain. Tiens. Oh mais oh. On va me lancer des gros boulets là. Hein. Couché. De quel sens je vais? Là-bas il y a un ennemi un peu plus puissant. Aïe. Avec un accès. Mais là-bas aussi il y a des trucs. Je sais pas trop. Alors on va aller là-bas. Ah, oh, un ennemi avec une lance. Elle n'a même pas peur de la lance. Au début si, mais après ça va. Je donne toujours 3 coups. Faudrait que je m'arrête parce que ça sert à rien. Deux coups suffisent. Les débutants devraient explorer cette zone plus tard. Vous êtes en sécurité ici. Mais je suis pas un débutant, moi. Rien qui peut venir de derrière, non. Aïe. Ok. Ah. C'est donc pour ça. C'est pas une question de débutant, c'est une question que lui, il est fort.
Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. Je suis déjà, je crois, un peu plus d'une demi-heure de jeu. Donc pour une première vidéo découverte, c'est bien. J'espère que ça vous plaît que je fasse ce jeu, hein, finalement. Après avoir fait tous les Souls et les Bloodborne en prime, ne pas faire Demon's Souls, ça serait un petit peu passer à côté de quelque chose. J'étais sûr qu'il y avait un objet ici. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, même des pouces bleus si vous êtes plusieurs, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à accompagner vos pouces d'un bon petit commentaire qui fait toujours énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao tout le monde!